Coucou YouTube et coucou à nouveau mes pixels du stream, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi 10 juin 2017, il est 14h28, j'ai même 2 minutes d'avance. On se retrouve pour un let's play sur Pokémon Y. On va dire Pokémon Y en 2017, mais frère, arrête de vivre dans le passé, t'es complètement une girafe. Bon, du coup, pourquoi est-ce qu'on va faire ce let's play sur Pokémon Y? C'est normal. Alors, l'overlay, ouais, l'overlay, on pourra en parler. Encore une fois, un grand merci à Aksu, qui a fait ça en 10 minutes, hein, quand même. C'est-à-dire que le talent de ma meuf est quand même à un niveau... Bon, voilà. C'est quand même sacrément solide. Donc, coucou à tous. Pourquoi un let's play sur Pokémon Y en 2080... en 2096, pas du tout. Nous sommes en 2017. Pourquoi un let's play sur Pokémon Y? Parce que, de ma meuf, j'ai pas trouvé d'autre formule. J'étais parti en mode, voilà, j'ai dit, bon, on va mettre meuf parce que je sais pas quoi dire. Donc du coup, pourquoi un let's play sur Pokémon Y? Faut m'emmerder, je vais pas y arriver. On connaît une girafe dans le passé. Tu m'emmerdes, faux boulin. Donc pourquoi un let's play sur Pokémon Y en 2017? Parce qu'en fait, beaucoup le savent, ceux qui me suivent presque au quotidien sur mon stream et tout ça, pour la saison 2 de Salut Savane, alors pour ceux qui sont nouveaux sur le stream et tout ça, et qui se disent qu'est-ce que c'est Salut Savane? Salut Savane, en fait, c'est une série où alors que je ne fais pas du tout de Safari des Amis, de SOS, de Davidex et de tout ça, là, je fais du Safari des Amis, mais dans le Safari des Viewers, voilà. On a fait la saison 1 l'an dernier, en 2016, avec 24 épisodes, dont 11 qui ont donné des Shiny, je crois, ou 10, je sais plus. Et l'idée, c'est de chasser dans le Safari des Viewers, en tirant au sort les Viewers. Alors au début, c'était en début d'émission, mais c'était le bordel, donc maintenant, on fait une semaine avant, et enfin voilà. À la fin de l'émission, on tire ceux de la semaine d'après, et tout ça, voilà. Et je me suis dit, pour expliquer un petit peu le parcours, à la base, Salut Savane, ça se voulait être le stream détente, en mode, on chasse chez les viewers, ça part totalement en couille, parce que c'est le viewer chez qui on chasse, qui trouve les surnoms des shiny et tout ça, donc c'est fou. En général, c'est full tarte au cul, le truc, hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des surnoms qui sont totalement dissidents et irrévérencieux, mais c'est drôle, on rigole beaucoup dans cette émission et tout ça, mais à la base, ça se voulait vraiment détente. Le truc, c'est que je me disais, chaque fois qu'on fait l'émission, il faut que je fasse 512 rencontres. Et le truc, c'est que c'est long. Donc, pour une émission qui se voulait détente, au final, c'était limite mon stream le plus long de la semaine par moment. Si j'avais un shiny ou deux, ça faisait un stream de 5 heures, c'était n'importe quoi. Donc, du coup, je me suis dit, pour la saison 2 de Salut Savane, on la fera. Et en plus de ça, les viewers étaient en mode, ouais, mais il y a qu'un mec qui est tiré au sort par semaine, moi, je vais être jamais tiré au sort et tout ça. Bon, cette année, on fera du double Salut Savane. Et à la place de faire 512 rencontres, on en fera 256 dans chacun des deux safaris. Mais pour faire ça, il faut une deuxième version qui a fini la ligue. Bon, donc du coup, j'avais une version Y pour faire un Shiny Quest, j'en ai acheté une autre pour faire Salut Savane. Voilà, c'est logique. Et donc cette version, il faut qu'on aille battre la ligue et tout pour avoir accès au Safari des Amis. Mais du coup, pour faire ça, il faut faire le jeu. Et quitte à faire le jeu, autant le faire en let's play. Donc le let's play Pokémon Y en 2017. Donc du coup, on va s'y mettre. Ça, c'était la petite intro pour que les gens comprennent pourquoi il y a un let's play Pokémon Y en 2017. C'est plutôt, je pense, exhaustif comme explication. Maintenant, j'ai une idée à peu près des Pokémon que je vais prendre dans mon aventure et tout. Il n'y aura pas du tout de Shiny Hunting dans ce let's play. Si y a un Shiny, c'est du pur hasard. Il est possible qu'on en ait. Ça m'emmerderait beaucoup d'en avoir pendant le let's play alors que j'en ai jamais des bons que je veux dans mes streams de Shiny Hunting. Mais... pourquoi pas, on verra bien. Après, il y en a qui peuvent être fous. Genre, si on chope Passe Rouge ou Cabriolet, des trucs comme ça, c'est quand même vraiment pas mal. Et on ne prendra pas la langue espagnole pour des questions de visibilité, les bros. Voilà, moi, ça me dérangerait pas outre mesure, mais... voilà, il faut penser au public, hein, et pour toi, public. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clore cette intro ici. Donc, du coup... merci d'avoir regardé cette vidéo zéro, hein, on va appeler ça comme ça, de ce Let's Play Pokémon Y. On se retrouve juste après pour la première vidéo, la première partie du Let's Play. A tout de suite, les Pipouxels.